Zoma ny andro avy hatrany dia zavakanto ny anombohantsika ny fandraisana ny vahiny any zavakanto izay efa nyresahantsika teto nikasika ny pikasary dia pikasary no resahantsika fa mialohan'izay aloha dia ny toerana anankiray izay fampirantiana anyireny pikasary sy ny talenta ireny any no resahantsika miaraka amin'ny Tahina Rakotoarivony. Tahina no tompon'andraikitra voalohany Lizard Gallery, inona ny vaovao? Voaloteny miaraba ny mpanaraka n'ity fandarana Midi Magnifique ity, dia miaraba anareo mpanotro ny fandarana. Tonga soeto amin'ny Midi Magnifique. Dia misaotra anareo nanasa fa mahafinaritra tokoa. Izary Galery zany a dia toerana iray eto Madagasikara, voalohany amin'ny fampiratiana endrika ara-amam-bika manaraka ny vanim-potoana, zany hoe ny aroko atamparaina isika azy. Dia ao anatin'ny toerana io zany ahitana fampiratiana sary hosodoko, sary sikotra, pikasary, performance artistika ny antsoina azy fa tsy dia haiko loatra mandrika azy amin'ny teny malagasy. Dia eo koa ny fanaovana installation artistika. Dia ny toerana moa zany a dia zavatra telo ny tena sany, dia nataonay pôle actuel izy hoe ary au milieu public, éducation artistique et scène diffusion, zay anjara andraikitra ny Izary Gallery fampiroboroboana sy ny fampivoarana ny fampianarana zavakanto eny anivon'ny olona zany. Zany hoe ny Izary Gallery zany dia sady toerana fampiratiana sy fampiroboroboana ny asan'ny mpanakanto no fanabeazana ny olona koa ity zavakanto. Aiza ho azy eto Antananarivo moa zany sa aiza ho azy eto Madagasikara moa ny Izary Gallery? Ny Izary Gallery moa zany dia hitantsika ny loatrano LOVC 59 Q rue Vittorie Françoise VDC Pasamalo, afaka 500 metatra miala ny Shoprite eo izy, sady miala tsy manao publicité ana marika. Misy fisotroana lasopy izay eo akaiky na? Misy tonoana ilay anarana. Tsy tonoana ilay anarana. Misy fisotroana lasopy. Dia itoerana io mivo maraina amin'ny sivy ka hatramin'ny enina hariva na alatsinainy ka hatramin'ny zoma, fa ny zoma zany izy mivo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo alina. Ao anatiny io ve zany misy karazana ohatrany hoe animation fanentanana na tsy fantatra, mety hoe misy kabare na sa de tena tonga de pika sary ohatrany sary mandeha ireny zany zao? Isam-bolana zany zay a de mampiranty artiste vaovao, zany hoe mety ho pika sary, mety ho sary hosodoko, mety ho sary sikotra. De isan-kerinandro zay ao anatin'ilay scène diffusion inefatra isam-bolana zay mampisongadina artiste mpanakanto na arti spectacle moa ny antsika azy na arti de la scène koa, ny mpihira, ny mpanao poésie, ny mpanao marionnette, ny mpanao karazany zavatra rehetra mikasika ny zavakanto zany amin'ny arti de spectacle dia ataonay koa. Dia inefatra isam-bolana izy io, zany isakazoma zany a dia ahitana n'io efemoara io zany amin'ny Izary Gallery. Dia mifampiratiana hitanao isan'andro, dia isam-bolana izy miova. Dia ao koa misy fampianarana ara-javakanto ho an'ny ankizy ondehibe atonotonony amin'ny tanjona moa dia mifampivoarana sy fampifantarana zavakanto eto Madagasikara. Ahoana nyfandraisan'ny olona, misy hoe fampiofanana ao misotra manaona nyfandraisan'ny olona ny hoe iofana anao zavakanto? Ny moa zany tsy teny hoe fiofanana ho lasa artista fa efe artistika ny tsonay zany hoe famoazana an'le tsiry kely any anatin'ny olana amin'ny fitiavana zavakanto. Dia ny tena maro aloha zao ankizy ao anelanelan'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona iny tena maro. Dia zay koa moa anisan'ny tena tianay satria noho ny zava-misy maro eto Madagasikara, tsy ny structure culturelle, infrastructure culturelle, musée, école, galeria. Dia andraisinay ho anjara andraikitra zany ho anay artista miasao ny fampifantarana sy ny fanaovana CV artistique zay na atelier de création moa ny sonaizy ho an'ny public. Nanomboka malo nisy ny fanokanana ve ny filazana zany vernissage ve ny teny frantsay, fampisehoana sary pika sary anankiray? Pika sary moa zay ataon'ny Pierre Henri William zany a dia androany ny vernissage, androany amin'ny fito anio zany anio zay izy moa zany artista
anisambo tia Madagascar mifampisairasira tamin'ny zarikalerea mifampiratiny ity izay ara-miasa amin'ny ambassade du Suisse satria izy ireo no soa patronage le zavatra ataony de pikasary izy no anazava-bebe kokoa an'le izy eo amin'ny galeria zany androany ariva de misy vernissage ny Pierre William dia arahana seho an-tsehatra ny sarababeloba zay avy any tarika avy any faritra nosy zay zany no zava-misy ao amin'ny galeria androany arahantsika zay clip zay rehefa aveo fa alohaloha ampiresana kely izy fa manjary sola zay fanfosana azy Pierre William Henry on a parlé de toi tout à l'heure. Et je te signale, je te confirme que c'était du bien. Il a dit que du bien de toi. Ouais. Donc, tu es photographe. Oui. Photographe, je crois que c'était déjà depuis pas mal d'années. Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans. De la photographie, oui. Ouais. Et comment c'est la... Est-ce qu'on peut savoir un peu l'évolution de la photographie depuis jusqu'à maintenant? Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans et demi quand je suis sorti de l'école obligatoire. J'étais dans un laboratoire chez un photographe en Suisse allemande pour apprendre la langue allemande. Et après, j'ai commencé un apprentissage en Suisse qui dure 3 ans avec des cours à l'école professionnelle. Et après, j'ai fait de la photo de presse. Je suis parti au Canada où j'ai travaillé 3 ans comme photographe de presse, de sport. Et ensuite, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud. Je suis revenu en Suisse travailler dans la presse après 3 ans. Après, je suis reparti pour un voyage autour de l'Afrique pour 1 année. Et après, je me suis installé. J'ai un atelier à Neuchâtel, dans notre ville. Où je fais la publicité, de l'industrie, de la mode. Et, voilà. On peut dire donc que c'est l'appareil photo qui t'a fait voyager partout dans le monde. Oui, absolument. Ouais. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, par rapport à du temps, hein, lorsque tu as commencé, c'était encore du temps de l'argentique. Exactement, ouais. Et là maintenant, c'est le temps de numérique. Oui. Entre les deux. Alors, qu'est-ce que tu préfères exactement? Alors tout a changé. Hein. Ouais. C'était, j'ai appris la photographie argentique. Ça veut dire qu'on soignait beaucoup plus les cadrages, on soignait beaucoup plus l'éclairage que maintenant, où on peut faire un peu. En guillemets, n'importe quoi. Et puis, ouais, c'est ce que j'ai remarqué en plus. Voilà. Ouais. Et après, on travaille là-dessus. Donc, les gens sont plutôt des infographes ou infographistes. Plutôt. Mais la photo a complètement changé pour moi aux alentours de l'an 2000. Et puis, vu que je suis d'une génération qui n'est pas née avec une souris dans les mains, et puis que le Nintendo, on ne connaissait pas, ouais. J'ai tout dû réapprendre. Hein. Ouais. Là maintenant, c'est il y a des images qui défilent sur l'écran. Est-ce que tu peux faire un peu de commentaires là-dessus? Oui, alors ça c'est des... J'ai l'impression que ce sont tous des portraits. Oui, alors c'est une série de portraits que j'ai fait passer dans le monde entier. Je vous expliquerai après. Et ça c'est une série que j'ai fait dans un village complètement perdu dans le Yunnan en Chine, et c'est dans le village de Zhebo. Donc les gens ont... Village de Zhebo. Oui, parce qu'ici il y a un Zeb qui travaille avec lui, il s'appelle Zhebo. Alors ouais. C'est Zhebo. C'est son village. Alors. Voilà, ça doit être son village, voilà. Ouais. Mais ça c'est un endroit où les gens n'ont pas du tout l'habitude d'avoir des touristes qui passent. C'est les premières fois qu'ils ont été photographiés, et c'est pour ça qu'ils sont assez... naturel devant moi. Mais c'était quand même un tout petit problème avec la communication, parce que ces gens parlent une langue qui n'est même pas le chinois, donc on a dû passer chaque fois par 2 traducteurs. Donc c'est hyper compliqué d'avoir des bonnes réponses. Et puis, puis en Chine, voilà, quand on leur pose des questions, il faut tourner la phrase de telle façon qu'ils puissent répondre et que ça soit positif. Ils n'aiment pas être incapables de répondre. Si on revient un peu sur l'exposition qui va être ouverte à partir de ce soir, oui. qu'est-ce qui sera exposé exactement? Alors,
J'ai commencé la genèse du projet, c'est qu'en 1991, j'ai photographié tous les gens qui sont venus dans mon atelier. Ça m'a fait 424 portraits et c'était des autoportraits. Les gens se photographiaient et j'étais absent. Après, c'est 5 ans plus tard, le canton de Neuchâtel où j'habite s'est intéressé à cette collection et m'a acheté cette collection, mais ni les négatifs ni les droits. J'avais juste un peu d'argent pour ça. Et puis je me suis dit, je vais présenter les Suisses en Sibérie. J'ai photographié les Sibériens que j'ai été présenté au Maroc. Ah Les bon? Marocains, j'ai été les présenter au Groenland. Ouais. Les Et les Malgaches alors? Groenlandais, j'ai été présenté en Guadeloupe. Ouais. Les Guadeloupéens en Chine. Et puis maintenant Ouais. les Chinois ici. Et puis maintenant les Malgaches, ils vont partir quelque part, certainement en Suisse ou en Sibérie. Waouh. D'accord. Voilà. Ok, j'ai compris. Vous avez parlé tout à l'heure de portrait, autoportrait. Quelle est la différence entre autoportrait et selfie? Alors le selfie, il est à bout de bras. Oui. Ouais. Et Mais l'autoportrait, l'autoportrait, c'est c'est à un... bout de chambre, à bout de voilà, la c'est un salle. appareil, il fallait se déplacer, presser sur un bouton, Ouais. reculer quelques mètres. C'est-à-dire C'est que pas du c'était tout la même déjà chose. longtemps que le selfie existe, c'est ça? Voilà, je savais pas que ça allait exister, le selfie, mais voilà, c'était des Ah. autoportraits. Ouais, c'est Et bien. c'est la seule série d'autoportraits, c'est les Neuchâtelois. Parce qu'après, j'ai dû m'adapter à chaque pays, à chaque coutume. Voilà, il fallait apprivoiser les gens. La prochaine étape alors après Madagascar, ce sera où? Alors, ce sera certainement la Suisse, ça c'est sûr, mais il y aura une possibilité en Sibérie. Parce que je travaille avec un musée depuis plusieurs années, et puis ils aiment bien voir toujours mes dernières séries de photos, et puis ça va être Ben certainement là. merci. Voilà. Donc on va passer voir Vous pouvez aller, Alizar ouais. Gallery pour voir un peu les œuvres de Pierre William Henry. C'est ça? Ouais, exact. Taïn? Michel les Nurif. On donne rive à Zami Ah. si autre masata mozan kaleri zani sakasuma de ma messiata wando pira na pandina pano taranja artistique hafa. De Ndrariva Sarandapeloba, artista ny safidianana satria ny om kalery koa zany dia miezaka mampisy fomba fijery Mampifangaro. maro samihafa amin'ny zava-misy ara-kolontsaina eto an-toerana dia miovaova ao ny tanora ao ny antitra any satria ny ezahana foana zany ampiseho sy ampisongadina ilay zavakanto misy eto an-toerana amin'ny olona liana amin'ilay izy. Ya. Donc on a regardé les clips c'est qu'il y a sans Ça rentre thune à Pélou. ça rentre plus loup enfin des femmes en néo sad sur un arbre tout était homme faillite midi magnifique merci et on vous souhaite une exposition magnifique Merci bien. pendant ce mois de juin Je suis sûr. merci. 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 Karari faraky ny lazaina teo zany dia isy ny exposition na sary Picasso izay iarahana amin'ny Pierre tsy mety adidiko ny anarana Pierre William Henry izay atao amin'ny Zara Galerie dia misy ihany koa an'iny kitsitsitsitsin-tsaha iny izay atao miaraka amin'ny kabôsy.